La vie n'est pas faite d'hibiscus et de rosée. Elle a la saveur aigre-douce des fruits de la passion, a dit Véronique Tadjo. Et c'est vrai que vous pouvez accueillir cette fleur magnifique des tropiques aussi bien dans votre maison que pour l'été dans votre jardin. C'est l'hibiscus rosa sinensis, la rose de Chine, que l'on appelle aussi Ketmi. L'hibiscus appartient à la famille des malvacées, les mauves, la guimauve, mais aussi des plantes que l'on cultive couramment au jardin comme l'abutilon ou comme la lavater. On reconnaît très très bien les fleurs de cette famille. Alors, pétales au nombre de 5 et au milieu, un énorme organe sexuel extrêmement érigé où il y a d'abord un groupe d'étamines et ensuite la petite partie du pistil, c'est la partie femelle. Chez les malvacées, on reconnaît très très bien la famille avec les boutons floraux qui commencent à ressembler au départ à une sorte de bonnet d'évêque et qui ensuite vont s'ouvrir en cône comme cela avec la partie ici que l'on appelle les sépales. Ici, vous avez donc une lavater et vous allez voir, c'est absolument identique chez l'hibiscus. Les organes sexuels de la fleur d'hibiscus se trouvent sur une tige érigée qui porte d'abord un bouquet d'étamines avec en jaune le pollen. Et puis ensuite, à l'extrémité, ce que l'on appelle donc le pistil, avec les petites tiges qui sont les styles, qui portent les stigmates. Et c'est là que va se faire la fécondation sur cette petite partie rouge de rien du tout. On voit très bien ici que le bouton, lorsqu'il se forme, est complètement protégé dans son enveloppe foliacée qui sont les sépales. Et puis tout d'un coup, les sépales vont se découper longitudinalement et éclater avec le bourgeon qui pointe avec ses pétales à l'intérieur. Et petit à petit, celui-ci grossit et la fleur va s'ouvrir, s'épanouir. L'hibiscus est très éphémère, sa fleur ne dure pas plus d'une journée. Difficile de reconnaître un hibiscus. Nous sommes en 1677, sous le règne de Louis XV. La mission de Pékin, à laquelle participent des missionnaires jésuites, mais aussi des botanistes aussi célèbres que d'Incarville, que Paréna, envoie au Jardin du Roi, qui est aujourd'hui le Muséum National d'Histoire Naturelle, un colis, ou plutôt un bateau, rempli de plantes extraordinaires. Il y a l'hibiscus rosa sinensis, il y a le camélia sinensis qui est le théier, la glycine de Chine, la pivoine de Chine et même le thuya. Vraiment une foule de plantes qu'aujourd'hui, on a communément dans nos jardins. On doit au célèbre naturaliste suédois Carl von Linné le nom d'hibiscus. Il l'a emprunté au médecin grec de l'Antiquité Dioscoride qui appelait la guimauve, une autre malvacée, hibiscos. Eh bien cet hibiscos, il ne faut pas non plus le confondre avec l'hibiscus de Syrie, hibiscus syriacus, que l'on appelle souvent Althea. C'est une plante très rustique pour nos jardins et nous allons la voir tout de suite. Si l'hibiscus rosa sinensis est originaire du sud de la Chine et de l'Inde et donc une plante subtropicale à feuillage persistant, l'hibiscus de Syrie est un arbuste totalement rustique que vous pouvez cultiver dans tous les jardins et qui va fleurir en été en succédant en permanence un nombre considérable de boutons. Il y a une similitude entre les deux plantes, à savoir une floraison très éphémère puisque chaque corolle ne dure que 24 heures, mais une succession permanente de renouvellement de boutons et de fleurs qui fait que vous passez un été enchanteur. Durant tout l'été, vous allez pouvoir installer votre hibiscus rosa sinensis aussi bien sur votre balcon que dans le jardin. L'important, le plein soleil et surtout l'abriter des vents. Sinon, c'est une excellente plante d'appartement que vous pouvez installer le plus près possible d'une baie vitrée, mais croyez-moi, il fleurira beaucoup mieux à l'extérieur. Côté entretien, rien de compliqué. Sachez simplement que tant qu'il est en bouton, votre hibiscus a besoin de recevoir de l'eau régulièrement et surtout, attention, c'est un gros gourmand, alors donnez-lui de l'engrais et secret de jardin, un bouchon seulement d'engrais liquide dans un gros arrosoir et vous arrosez systématiquement votre hibiscus avec cette solution peu concentrée.
L'hibiscus ayant fleuri tout l'été, il se trouvera fort dépourvu lorsque la bise sera venue. Alors il faudra le rentrer à la maison dans une pièce claire et pas trop chauffée pour l'hiver. Ensuite, il faudra passer à la taille. Parce que vous avez pu remarquer, les hibiscus fleurissent sur des pousses de l'année, des pousses d'extrémité. Si vous voulez conserver une forme compacte à votre plante, alors là, il faut passer au sécateur. L'hibiscus est un arbuste, c'est-à-dire qu'il forme à la base des tiges ligneuses, du bois très dur qui va se dégarnir petit à petit, et puis par-dessus des tiges plus jeunes, plus tendres, de l'année, que l'on va tailler très sévèrement. La partie ancienne en bois dur est striée et un petit peu crevassée, tandis que la partie jeune est lisse et plus foncée. On va tailler juste au-dessus d'une feuille, puisque l'on voit très bien le petit bourgeon qui démarre. On taille bien sûr en biseau au-dessus de la feuille. Et voilà le travail. Il ne faut pas avoir peur de ratiboiser votre hibiscus, il repartira de plus belle. À la fois beauté délicate et symbole phallique, la fleur d'hibiscus dit « tu es jolie », mais traduit également un désir sexuel. À Tahiti, la femme qui arbore l'hibiscus sur l'oreille gauche indique « mon cœur est à prendre ». Quant à l'homme, il est en quête d'une aventure amoureuse.